Émission Foi en Action. Bonjour, chers amis. Soyez le bienvenu dans notre émission Foi en Action. Cet ami de toujours, Pasteur Carlos. A mon côté, j'ai ici le Pasteur Antonio. Bonjour, Pasteur Antonio. Bonjour, Pasteur Carlos. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Et aujourd'hui, samedi, spécialement, nous sommes ici pour vous montrer qu'il y a une solution à ce problème par laquelle vous êtes en train de vivre. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous voyez que votre vie, ela n'avance pas. Vous êtes quelqu'un que vous avez des problèmes dans la vie professionnelle, financière, dans la famille, dans la santé. Vous cherchez à résoudre ces problèmes, mais vous n'arrivez pas. Mais sachez-vous qu'il y a une solution à ces problèmes par laquelle vous êtes en train de vivre. Et si vous désirez, vous pouvez déjà entrer dans notre page du Facebook. Centre d'accueil universel d'hommes. Vous allez accompagner aussi des histoires de vie des personnes qui ont été bénies à travers de la foi. Vous pouvez aussi aller dans notre WhatsApp 06 90 55 16 70. Pasteur Antonio, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et cette souffrance, elle doit arrêter à travers de sa foi, n'est-ce pas? Exactement. Il va s'arrêter. Mais pour s'arrêter, parce que c'est comme la personne que ele regarde dans sa maison, il a la condition pour aller acheter la nourriture. Dans sa maison, il n'a pas de nourriture. Mais il a la condition d'y aller pour acheter. Mais ne sort pas de sa maison. Comment la nourriture peut arriver dans sa maison s'il ne prend pas la décision pour aller pour acheter? C'est comme la personne qui dit, je vais résoudre mon problème. C'était cas jusqu'à maintenant dans ma vie, dans ma santé, dans ma vie professionnelle. Est impossible de résoudre. Nous sommes ici, Pasteur Carlos, pour montrer à cette personne qu'il y a la solution, qu'il peut s'en sortir de cette situation. À travers de la foi, vous recevez cette victoire que l'Éternel Dieu a préparée pour vous. Et aujourd'hui, nous avons cette réunion spéciale pour abattre les murailles. Êtes-vous quelqu'un dépressif? Avez-vous des problèmes? Est-ce que vous êtes en train d'affronter des problèmes, et peut-être vous êtes quelqu'un que vous êtes dépressif, vous pensez au suicide, vous êtes quelqu'un que vous développez au-dedans de vous la négativité, alors ce problème, il va s'arrêter. Je voulais que vous accompagniez maintenant le témoignage de transformation de vie de mademoiselle Joana. Remarquez comment elle est arrivée à l'église. Elle est arrivée triste dans la dépression, elle se mutilait. Elle était une femme qui, elle développait au dedans d'elle une négativité. Et même à l'école, à la maison, les choses n'allaient pas. Mais cette miraille de problèmes est tombée. Et aujourd'hui, elle témoigne la victoire de l'Éternel. Et le même va arriver dans votre vie. Accompagnez attentivement ce témoignage de mademoiselle Joana. Et après, nous allons revenir. Vous pouvez continuer à nous écrire dans notre page do Centre d'Accueil Universel d'Hommes do Facebook, ou sinon envoyez déjà une demande de prière, un commentaire sur notre WhatsApp 06 90 55 16 70 e nous allons vous répondre. Aujourd'hui, samedi, c'est le jour d'abattre ce miraille afin que vous recevez cette victoire totale pour vous et aussi pour votre famille. Nous sommes ici dans notre nouveau centre d'accueil universel en Martinique. Et je suis ici avec mademoiselle Joana. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver, ma vie était chaotique parce que j'étais une jeune qui vivait d'apparence. C'est-à-dire que je montrais à tout le monde que je souriais, que j'étais bien. Mais en fait, à l'intérieur de moi, j'avais une souffrance par rapport à mes parents et un complexe d'infériorité. Je me pensais incapable de faire les choses. Donc, de ce fait, je me mutilais. C'est-à-dire que je cassais des bouteilles et je m'ouvrais la cuisse juste pour m'infliger des souffrances parce qu'en fait, je ne m'aimais pas intérieurement. Et cette souffrance, elle a duré plus ou moins combien d'années? Alors, elle a dû durer au moins 4 à 5 ans. Voilà. OK. Vous aviez aussi de la dépression, de l'angoisse?
Oui, j'étais quelqu'un qui en fait n'avait pas de direction. Je ne savais pas comment avancer dans la vie. Et ça faisait que quand je rentrais chez moi, j'étais toujours à pleurer, à être triste et toujours, comment dire, je me cachais du regard des autres. Je ne voulais pas que les gens voient ma tristesse. Comment avez-vous connu le centre d'accueil universel? Alors, j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma mère, parce qu'une amie l'a invitée et ensuite elle m'a emmenée. Donc, au début, je n'étais pas vraiment concentrée dans les réunions, ça ne m'intéressait pas. Et au final, j'ai pris conscience que c'était que Dieu qui pouvait réellement me sauver. Et là, j'ai pris la décision. Et en venant au centre d'accueil universel, vous étiez orientée? Oui, exactement. En fait, chaque jour de la semaine, il y a des réunions qui ciblent en fait les aspects de votre vie. Et moi, c'était ma vie spirituelle. Le vendredi, par exemple, on a les réunions pour la délivrance spirituelle. Et justement, ça m'a beaucoup aidée à être délivrée de toutes ces choses, tous ces fardeaux que j'avais à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, comment êtes-vous? Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante. J'ai changé intérieurement, je ne me mutile plus. Je suis quelqu'un qui a confiance en elle et qui sait que Dieu est là avec elle et qu'avec lui, je serai plus que vainqueur. Et quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoute? Quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoute maintenant votre témoignage? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors déjà, je vous invite à venir au centre d'accueil universel, car vraiment votre vie va changer et vous allez connaître Dieu véritablement. Parce qu'il ne suffit pas de prier, mais de mettre en pratique. Et si on n'a pas la direction, on ne pourra pas avancer. Donc persévérez, venez, vous allez voir la différence. Il y a la solution à vos problèmes. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'envie de vous mutiler? Non, pas du tout. Alors là, non. Maintenant, je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux vraiment que les gens voient la différence, comme moi, il a fait dans ma vie, Dieu. Ok, vous avez compris le témoignage de Joanna qui est arrivée au centre d'accueil universel et les problèmes. Alors, prenez votre décision. Notre nouveau centre d'accueil universel, au Martinique, nous sommes situés au 42 rue Garnier-Pagès. Nous vous invitons à venir et à participer aussi d'une réunion qui va changer la situation de votre vie. Comme nous avons regardé le témoignage de cette dame, Madame Joanne, regardez comment était sa situation. Et après qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, il avait reçu la bonne direction pour faire tomber les murailles qui étaient dans sa vie. Peut-être vous disiez, le cas de cette dame, il a eu la chance. Il a eu la chance. Mais, pasteur Carlo, combien de personnes cherchent la chance? Et la vie est toujours la même. Le cas de cette personne, ce n'est pas la chance. Il avait appris comment utiliser la foi pour faire tomber les murailles qui étaient dans sa vie. Voilà, pasteur Antonio, c'est simple. Excusez-moi, pasteur Antonio, saisissez ma bouteille d'eau. Faites attention à ce que je vais vous montrer. Peut-être aujourd'hui, votre vie, elle est comme ça. J'ai ici un carton. Et peut-être vous êtes quelqu'un qui vous développez au-dedans de vous la haine, l'angoisse, la tristesse. Alors imaginez que ces problèmes-là, ce sont des briques, des murailles. Et qu'est-ce que vous devez faire? Il faut déchirer. Il faut casser ces murs des problèmes et les terrasser. Si vous lisez la Bible, nous voyons l'histoire de Josué, qui a été appelé par le próprio Dieu pour faire le tour sur le mirail. Ils ont fait le tour, ils ont écrasé le mirail, ils ont terrassé le problème. Et là, derrière le mur de Jéricho, il avait le lait et le miel. Alors, vous êtes quelqu'un que vous êtes en train d'affronter le problème, ainsi comme mademoiselle Joanna. Mais voyez que le moment qu'elle est arrivée à l'église, elle n'a pas voulu continuer à développer en elle la négativité, la paresse qu'elle avait auparavant. Et elle avait pris la décision. Et aujourd'hui, à travers de sa foi, elle avait terrassé le problème. Elle avait terrassé le miracle.
E c'est ça, pasteur Antonio, qui va se passer aujourd'hui, samedi, le 22 septembre. Nous allons faire le tour, nous allons crier, nous allons clamer, nous allons déterminer que ces miracles, des problèmes qui sont dans votre vie, tomberont. Pasteur Antonio, il y a aquela foi. Exactement. Peut-être cette personne, il avait déjà se marié plusieurs fois. Cette personne, peut-être, elle était déjà, elle a déjà travaillé beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, n'a pas de travail. La personne qui était mariée aujourd'hui est célibataire. Mais ça montre que dans la vie de cette personne, il a une muraille. Et nous sommes ensemble pour faire tomber cette muraille dans votre vie. Mais pour cela, pour cela arriver dans votre vie, pour que la muraille puisse tomber par terre, vous devez prendre la décision de venir. D'être là aujourd'hui, peu importe votre religion, peu importe la situation par laquelle vous êtes en train de vivre. Vous vous rappelez, j'ai pris ce carton. Et ce carton représente exactement la situation, le problème par laquelle vous êtes en train de vivre. Et aujourd'hui, vous allez venir pour donner un basta à ce problème. Mais comment ce problème il sera résolu si vous ne prenez pas votre décision de quitter votre maison et de venir? Car aujourd'hui, c'est le jour de faire tomber, d'abattre les murailles qui sont en train d'agir dans votre vie. Et comprenez-vous que ces murailles, ces problèmes, c'est le mal qui avait élevé, justement pour vous empêcher d'entrer à la terre promise. Mais à partir du moment que vous allez venir aujourd'hui et vous allez manifester votre foi, votre vie, elle changera. Et spécialement, nous serons ensemble à 8h du matin. Si vous ne pouvez pas être là à 8h, à 15h, le pasteur Antonio sera aussi avec vous. E nós vamos determinar, mon ami, que votre vie, ela changera. E notre centre d'accueil universel, maison de prière, nous sommes situés au 6, dans la rue du Onalan, aux abîmes. La route principale dos abîmes. E nous vous invitons à venir participer de cette réunion aujourd'hui, que va détruire, que va changer votre vie. Nous allons déterminer, nous allons faire, nous allons pousser notre cri contre ce problème qui est en train d'agir dans votre vie. Et j'ai la certitude que votre vie, elle va changer. Vous pouvez nous appeler maintenant, 05 90 28 33 83. Si vous désirez aussi, il y a notre WhatsApp, 06 90 55 16 70. E nous serons à votre entière disposition. Nous vous demandons maintenant préparer une bouteille d'eau, préparer un verre d'eau, car nous allons revenir et nous allons faire une prière, une clamer, afin de déterminer que votre vie, elle changera. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, samedi, le 22 septembre, soit à 8h du matin, ou soit à 15h, vous aurez l'opportunité de pousser votre cri contre ces murailles, contre ces problèmes que le diable il a élevé contre vous. Qu'impossible pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et à 15h. Pour plus d'informations, appelez-nous au 05 90 28 33 83. Ou visitez notre page Facebook Centre d'accueil universel d'homme. Qu'impossible, chaque samedi au Centre d'accueil universel des abîmes.
Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous nous envoyer une requête de prière? Maintenant, vous pouvez le faire sous notre numéro WhatsApp 06 90 55 16 70. 06 90 55 16 70. Centre d'accueil universel, où une vie meilleure vous attend. Voilà, à travers du pouvoir de la prière de la foi, vous recevez la victoire. Le pasteur Antonio, il va commencer cette prière. Et là où vous êtes, vous allez prendre votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Si vous êtes à l'hôpital, à la maison, dans une clinique de récupération, ou peut-être à la prison, sachez-vous que cette prière, elle va vous toucher maintenant. Seigneur notre Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes ici pour, mon Dieu, à ceux qui ont les cas impossibles pour résoudre. Nous avons beaucoup de personnes, mon Dieu, qui ils ont déjà allé à plusieurs endroits pour chercher la solution. Peut-être cette personne était déjà chez les marabouts, les voyants, pour regarder la sortie, la solution de sa vie. Il n'est pas trouvé. Mais nous sommes ici, mon Dieu, pour déterminer que cette personne, elle va recevoir la force. La force, oui, mon Dieu, la force, ce n'est pas pour qu'il puisse rester dans sa maison. Mais elle va recevoir la force pour être avec nous. Elle va prendre cette décision pour être avec nous, pour faire cette muraille tomber par terre. Et à travers de la foi, cette personne que ela nous accompagne, nous déterminons que au moment, oh Dieu, qu'elle boira de cette eau, qu'elle soit lavée, qu'elle soit purifiée, que le kyste disparaîtra, mon Dieu, que le cancer, il va sortir, que ce problème d'enfermité qui empêchait cette personne d'être une personne heureuse, libre, que ce mal soit détruit au nom de Jésus. Peut-être cette nuit, cette personne, elle n'a pas fermé ses yeux. Elle n'a pas eu un minute de sommeil. Elle n'a pas eu la tranquillité à cause de ce problème qu'elle est en train d'affronter, soit dans la famille, soit dans sa vie professionnelle, dans la santé. Et nous déterminons, Seigneur, que à travers de la foi, que cette personne, elle soit libérée. Consacre chaque bouteille d'eau. Consacre maintenant et bénis chaque verre d'eau, que soit la puissance de ton esprit, et que à partir du moment que cette personne boira, qu'elle soit guérie, délivrée. C'est ça que nous déterminons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, vivez maintenant où vous êtes, vivez avec la foi votre eau maintenant. Et là où vous êtes maintenant, nous étendons la main sur vous maintenant. Soyez bénis, soyez guéris et soyez délivrés à travers de la foi. Et si vous croyez, dites ainsi soit-il. Nous avons la certitude qu'à travers de cette prière que nous venons de faire, vous allez recevoir les forces pour pouvoir être avec nous aujourd'hui, samedi, le 20 de septembre, soit à 8h du matin ou soit à 15h. Et nous vous invitons à venir et à prendre part de cette vitória que Dieu a préparée pour vous. Vous pouvez continuer à aller dans notre page do Facebook, Centre d'accueil universel d'homme. Écrivez une demande de prière. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer par WhatsApp 06 90 55 16 70 et nous allons vous répondre. N'oubliez pas que notre Centre d'accueil universel, nous sommes situés au 6 Monvergan.
97, 133, 139, les abîmes. Je vais répéter de nouveau. Notre centre d'accueil universel, notre siège national ici en Guadeloupe, nous sommes situés au 6 Monivergan, 97139, aux abîmes. Et nous vous invitons à être là. Et je voulais bien préciser, Pasteur Antonio, que demain, dimanche, le dimanche 23, nous invitons cette personne aussi à être avec nous. Exactement, parce que nous allons faire la prière pour bénir non seulement cette personne, mais aussi sa famille. Elle doit faire tout pour apporter sa famille, parce qu'elle va recevoir cette personne, la bénédiction pour eux et pour sa famille aussi. Oui. Mais elle ne peut pas laisser pour l'autre jour ce qu'elle peut faire dimanche, bon, selon l'opportunité. Ainsi comme nous vous invitons aujourd'hui samedi à venir pour terrasser et battre les problèmes, les mirailles qui sont en train d'agir dans votre vie, spécialement demain dimanche, le 23, le dimanche 23, nous avons cette grande concentration de foi et de miracles. Et dans l'opportunité, nous vous invitons à être avec nous. Le dimanche, c'est le septième jour, c'est le jour du Seigneur. Et soit à 7h du matin, ou soit à 9h30, nous vous invitons à être là. E vous allez venir pour déterminer. E dans cette concentration de foi et de miracles, nous allons déterminer que vous et votre famille, que vous soyez bénis. Et la personne doit apporter la bouteille d'eau. Elle peut aussi, vous pouvez apporter votre bouteille d'eau. No notre centre d'accueil universel, il est bien localisé. Il y a un grand parking que vous pouvez amener votre voiture. E vous allez participer. Vous pouvez amener vos enfants. Il y a le travail de la petite école. Tandis que vous allez participer de la prière, vos enfants, ils seront ici de la petite école. E vous allez participer de la prière. Si vous connaissez quelqu'un qui, peut-être, ela venait au centre d'accueil. Et ela ne vient plus. Peut-être elle était malade. Peut-être elle avait des problèmes. Invitez cette personne aussi à venir ce dimanche, especialmente por participar de sete grande concentração de foi e de miracles. Notre émission, ela arrive à la fin. Je voulais remercier au pasteur Antonio por être ici avec nous. E vous aussi, merci d'être avec nous et de participer de cette émission Foi en Action. Nous vous souhaitons un excellent samedi et à la prochaine émission, nous serons ensemble. Au revoir et à bientôt. Cas impossible pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et à 15h. Pour plus d'informations, appelez-nous au 05 90 28 33 83 ou visitez notre page Facebook Centre d'accueil universel d'Homme. Cas impossible, chaque samedi au Centre d'accueil universel des Abîmes. Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous nous envoyer une requête de prière? Maintenant, vous pouvez le faire sous notre numéro WhatsApp 06 90 55 16 70. 06 90 55 16 70. Centre d'accueil universel, où une vie meilleure vous attend.